Salut tout le monde, c'est Mangacard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, Card 5 Vanguard G. Donc, le trial deck numéro 3. Flower Maiden of Purity. Avec le clan Néo Nectar. Donc, ça, c'est la decklist. Hop. Côté. Et fond. Donc voilà, moi je vais l'ouvrir vite fait hors caméra parce que ça prend du temps avec le plastique et toutes ces conneries. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation. Donc me revoilà. Alors, donc la playmat et le livre de règles. La playmat qui est en vert. En vert tout dégueulasse. Et les cartes. On va commencer par la première. Donc comme d'hab, peut toujours y avoir une carte signée. On verra ça ensemble. Et c'est Flower Princess of Spring Arborea. Donc l'effet est différent. L'effet triple rare est différent. C'est bizarre, je préfère l'autre. On dirait un peu les vieilles doubles rares qu'il y avait à l'époque. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on a hop là, la version règle. Et ouf, encore une carte signée. Oh my god, c'est trop bon. Ok, lock. Thank you for playing Vanguard. Ok, donc carte signée. Là, on voit bien l'effet gold, la signature. Ça, c'est cool. Putain, j'ai deux cartes signées sur trois. C'est trop bon. Hop là. Ça, c'est fait. Donc, on a la version régulière. Pouah, la classe. Jungle Lord Dragon. Oh, la classe. J'aime bien. 1, 2, 3, 4. Encore un petit poney. Full Bloom Dragon. Franchement, c'est classe. Là, j'aime bien les cartes là. Elles sont vraiment sympas. Hop. Blossoming Maiden, c'est là. Super joli quoi. 3, 4. Grace Knight, ouais, vite fait. Une, deux, un. Notre carte holographique. Maiden of Gladolus. Elle est classe. Voilà. Donc la version en règle. Plutôt commune, je veux dire. Cool cute kiwi. Il est quand même délire, quoi. Avec sa tête qui est tranchée, là. On l'a deux fois. Ouh, sympa. Burning Maiden Diane. Très très joli. 2, 3, 4. Coral Berry Squire. Très joli aussi. 4 fois. Gardener Elf. Et la classe. Je sais pas trop ce qu'il a. Une sorte de ciseau là. En 2 fois. Notre Perfect Guard 100% orange en Perfect Guard. Ah, j'aime bien, franchement, elles sont trop classe. Wouah! Maiden of Safflower. Ah, j'adore. 1, 2, 3. Alors là, le nom à rallonge. Spring Heralding Maiden Ozu.
c'est le starter. Pouf. Oh, le critical. Mail of Dimophoteka? Dimorphoteka. Dimorphotoké. Ouais, bon, bref. Super joli. Vraiment très très joli. 4. Evo Turnip. Andro. Ouais, il n'est pas spécial, mais l'artwork est joli. 4 fois. On stand. Lavender Knight. Ouais. 2 fois. Ok, donc c'est un stand qu'on va voir. Fairy Ride Dragon en heal. Super joli. Vraiment très très joli. La classe. Et donc, en stand. Mainline of Daybreak. Très joli aussi. Avec la version reg juste à côté. On met ça sous pochette. Donc toujours 4 lots par deck. Oula. Fait vite fait le récap. Maiden of Daybreak. On a Maiden of Gladolius. En grade 2. On a Flower Princess of Spring Arborea en G unit. Et on a eu Ranunculus Flower Maiden achat en carte signée. Voilà. Moi, ça mérite un like hein, quand même hein, de choper une carte signée. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, c'est gratuit. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!